Vous représentez Hanbel Kilim Art. Vous avez fait un travail sur Hanbel. Expliquez-nous votre démarche. Gentil. Donc le travail consiste, d'abord c'est une passion. Il consiste à récupérer des tapis qui présentent une usure. Mais c'est des tapis de valeur, mais dont les gens ne connaissent pas la valeur. Donc, je les récupère, je les lave, je les traite et je récupère le tapis en évitant l'usure. Le trou, donc on en fait des coussins, des tableaux, des sacs, des pantoufles, des vestes. Et donc, rien n'est perdu dans le tapis. Il faut savoir que donc, ce tapis, il s'agit donc de tapis nomades. Et c'est des matières nobles. Ils sont presque en voie de disparition, ces tapis. Moi, je veux les réhabiliter de cette façon et donc préserver le patrimoine, notre patrimoine. Je n'aime pas beaucoup les tapis avec des fibres synthétiques. C'est un tapis donc, qui interpelle, qui nous parle, c'est l'histoire de l'Algérie. Et en ce qui me concerne, ce sont de véritables tapis nomades, c'est des tapis ethniques. Ce qu'on appelle donc en Anatolie ou en Turquie, c'est des kélim, c'est des véritables kélim. Et comment vous avez eu l'idée à transformer vos kélim en coussins, en tableaux? C'est mon imagination qui est comme ça. J'ai une imagination très, très fertile. Je n'aime pas. En veste, en. Est-ce que c'est un travail personnel? C'est une inspiration qui vient. Ou c'est un travail de groupe? C'est un travail de groupe. Donc j'ai été aidée par Rizart, l'association, par Maya Asgag. Et c'est surtout un travail d'inspiration, c'est-à-dire devant un Hubble. Votre équipe, elle était constituée de quoi? De couturières, de tisseuses de... Non, pour l'instant, non. Il n'y a pas de tisseuses, puisque moi, j'ai acheté ces tapis, je les ai récupérés. Mais je compte justement réhabiliter le métier à tisser, réhabiliter ce métier et créer de l'emploi. Donc, des tisseuses, des couturières, des artistes. Moi, j'ai travaillé avec des couturières, ce sont de véritables artistes. Moi, j'ai besoin d'inspiration et elles sont là, elles ont le modèle et elles sont aussi... C'est des faits, hein. Il ne suffit pas d'avoir des idées, il faut avoir aussi... Et quel est votre conseil aux tisseuses qui ne tissent plus? Qu'est-ce que vous leur dites? Pour le recyclage, j'ai beaucoup de peine. Je vois beaucoup de tapis chinois, de tapis turcs, je n'ai rien contre. Mais pas au détriment de nos vrais, des vrais tapis. Donc, c'est de la laine, c'est des matières nobles, des teintures nobles. Et puis chaque tapis est une œuvre d'art. Vous ne retrouverez jamais de tapis différents. C'est une œuvre d'art. Regardez, c'est pas une œuvre d'art, ça. En plus, moi, quand j'ai un tapis qui fait 5 mètres, il est difficile à entretenir, je conçois, une fois que je suis devant le tapis, il me vient des idées, ça peut être donc un tapis, une veste, des babouches. C'est l'inspiration du moment, avec l'inspiration du moment. Et on crée à partir donc de ces œuvres d'art, des vraies œuvres d'art. Mais ce tapis est en voie de disparition, il faudrait le réhabiliter, voilà. Créer de l'emploi, intéresser des jeunes... en créant donc un métier à tisser, en réhabilitant le métier à tisser, comme ma mère, ma grand-mère le faisait. Je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie.